Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decades Challenge. Alors oui, à chaque fois je chante en ce moment, je sais pas pourquoi. J'aurais pu chanter aussi quelque chose qui faisait Quand vient la fin de l'été, à Newcrest, et les arbres vont bientôt perdre leurs feuilles. Oui, vous savez vous-même qu'il existe les saisons. Et que nous arrivons en automne. Wesh bébé! Alors, parce que j'ai mis l'été. L'été, parce que pourquoi? Là, nous sommes en été. Et j'étais jour 7 sur 7. D'ailleurs, je vais changer. Je vais mettre à 14 jours. Immédiatement, tout de suite. Pourquoi? Je ne savais pas. Je pense que sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, on ne me l'a pas expliqué. Mais que, effectivement, les saisons commencent tous les dimanches. C'est pas, elles commencent quand vous ouvrez votre partie, vous choisissez la saison à laquelle vous voulez commencer. Et donc, moi, je voulais commencer en automne pour le Decades. Effectivement, pour que je commence en automne, vu que on est samedi, il fallait que je finisse par l'été. Mais oui, mais non! Non, alors, on va rechanger. Je vais mettre saison 7 jours. On est OP. Comme ça, c'est-à-dire que demain, on passe à l'automne. Et puis, en août d'automne, je mettrai 14 jours. Voilà, ça vous va comme ça? Parce que j'ai vraiment envie de voir ben voilà, juste l'automne, quoi, pour au niveau des plantes et tout, du jardin. Ah, ben il pleut. Mais j'en ai marre. Ouh! Ouh là là. J'en ai marre de voir des lapis partout dans toutes mes parties. La meuf, elle est déjà blasée. Mais il pleut tout le temps! Qu'est-ce que t'as, toi? Alors, tu as faim. Donc déjà, tu vas manger. Il est samedi, les gosses. Vous pouvez tranquillement prendre votre temps pour. Mais pourquoi? Eh oui, si je mets pas. Prendre votre temps pour prendre le petit déj et tout. Hein. Après, Gustave, tu iras te laver parce que tu pues la mort. Ah, alors il pleuvait, mais le soleil est apparu. Ben, c'est parfait. Oh, attendez. J'ai cru voir un truc un peu. Un peu très beau. Elle est où la maison? Là. Parce que j'avais vu comme si les rayons passaient à travers. Voilà. Bon, bref. Ah! Bon! Coupez-vous. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Mais. T'as un lavabo ici, espèce d'idiot. Bon, alors, j'ai aussi relooké tout le monde, il fallait bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ah, bah, genre, elle a mis sa nouvelle. Tu vas aller aux toilettes, Pierre-Nard, et puis tu vas manger. Toi, faut que tu te. Hein? C'est le bordel, je sais pas. Hein? Maman, tu vas te lever. Tu vas servir le petit-déj des pancakes. Parce que c'est bon les pancakes. Et toi, je t'avais dit d'aller te laver et tu l'as pas vraiment été parce que Pierre-Nard, il a préféré aller dans cette salle de bain-là. Mais tu vas reprendre un bain, c'est pas grave. Mais non, j'ai relooké un peu tout le monde pour tout ce qui est tenue d'hiver, d'été, parce que bon. Évidemment, dans le Decade, on peut pas y aller au hasard. On est obligé de prévoir des tenues qui. Parce que sinon, vu la tronche qu'avait Pierre Nard avec sa tenue d'été hawaïenne. Voilà, j'ai que ça à dire. La petite, elle a super faim. Bon. Tu vas voir à manger. Maman, elle fait à manger. Louise! Louise, t'as besoin de te divertir. Punaise, mais j'ai tendance à les confondre les deux. Louise, elle veut se divertir. Louise, elle va vendre un collectionneur ici. On est en été. Donc, dernier jour d'été. Ensoleillé, il fait très chaud. Et la corde à linge a sauté. Une fois que t'as mangé, Pierre-Nard, t'iras réparer ça. Il faudrait aussi que je trouve une solution, mais bon, pour cet hiver, on n'y est pas encore. Pour le truc. Tu vas me faire un paysage. Pour la corde et tout ça, pour la lessive et compagnie. Mais je t'avais demandé de manger. Jermaine, tu peux venir manger. Gustave, il gagne en manière. Ok, bon. Alors, nous allons procéder à plusieurs choses normalement. Joséphine, après, tout va bien. Tu iras prendre un petit. Oh, lui, il met la table, mais il est chouchou. Tu iras prendre un bain. Arthur, qu'est-ce que tu fous là, glandé?
Mais toi aussi, va prendre un bain, je sais pas, occupe-toi de ta vie, hein. Enfin, prends un bain, va aux toilettes. Il y en a un qui dort bien, c'est Albert. Bah, Albert, tu vas te lever, tu vas prendre des pancakes. Oh, il est tendu. Bah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai parce que je n'avais pas fait... je vais pas installer le... C'est quoi, là? Un manque d'inspiration. Je vais pas installer un piano comme je voulais. Donc, vous m'avez dit plutôt faire une salle d'art ici. Ce que j'avais commencé à faire. Et en plus, c'est vrai qu'avec les saisons, le chevalet à l'intérieur, c'est plus logique. Mais après, elle peut toujours regarder dehors pour s'inspirer, hein. Le piano, je sens que ça va être un peu tendu de le mettre là. Mais on va essayer. Et puis, Albert va pouvoir se mettre au piano. Ça pourrait être sympathique. Alors, si tout le monde va bien. Oui, je lui avais demandé de prendre un bain. C'est parfait. Après ton bain, tu pourras aller aux toilettes. La petite, elle mange, c'est parfait. Après, elle pourra aussi se demander un bain. Toi, tu t'ennuies. Bon, écoute, tu te ranges bien. On va peut-être bosser à leur qualité personnelle. Ouh là là. Oui, il y a besoin. Il y a un grand besoin. Tu vas jouer au docteur. Tu vas jouer au docteur pour ton empathie et contrôle des émotions. Est-ce que tu as un truc dans... Oui, tu vas jouer avec émotion et jouer avec émotion. Ça c'est fait. Arthur. Arthur, il va bientôt grandir aussi. On va pouvoir voir à quoi il ressemble. Enfin, je sais plus dans combien. Oh bah oui! Un jour! Oh bah merde alors! Louise! Dans 5 jours! Dans 5 jours, on va passer à une nouvelle décennie. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Et tu vois, tu dois augmenter. Oh, je vais y arriver. Contrôle des émotions et manières. D'accord. Donc tu sais quoi? Tu vas. Débarrasser ça et puis tu vas mettre la table décontractée bleue. Tu vas dire à ta sœur qu'elle est jolie. Tu vas dire à ton frère qu'il est joli. Tu vas dire à ton père qu'il est joli. Qu'est-ce que tu veux faire, Pierre-Nard? Oh, attention, je te surveille. Tu vas aller voir le bambin? Non. C'est Joséphine qui va s'en occuper. Là, elle l'utilise et puis après, elle va donner un bain à la petite. Ah, il lui change la couche! Mais non! Donnez soin à Bambin. Donnez un bain de mousse. Bon, de toute façon, elle pue quand même, donc ça sert à rien. Ouais, elle pue quand même. Alors, cette tenue est la tenue d'été de Pierre-Pierre-Nard. Pierre-Nard, il va bien. Alors, il va aller s'occuper du jardin. Ah là là, du coup, on a un sous-vos système pour le jardin. Et regardez toutes mes plantes, il y en a plus de la moitié qui se sont barrées en couilles. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas trop suivi l'histoire du jardinage. Mais là avec les saisons forcément j'ai... C'est parti en vrille. Donc en fait on va aussi pas mal paumer de la thune. Et c'est pour ça que je voulais commencer en automne-hiver. Pour justement qu'il y ait un peu peut-être le manque à gagner niveau plante. Parce que là on est bien, on a réussi à se faire une baraque de tarés. Mais aussi pourquoi pas galérer un peu dans la thunasse. C'est bien, vous entendez bien. Tu peux pas lui enseigner des choses? Discuter de la paix dans le monde. Allez. Ah ouais, pour l'instant, il n'y a pas... Parler de la température très chaude. Oui, vas-y si tu veux. Parce que genre qu'elle pourrait lui apprendre à être empathique, je sais rien moi. Oh t'as chaud Louise. Tu veux faire quoi pour te divertir? Tu veux lire un livre? Ben vas-y. Alors, Joséphine, elle lave la petite est lavée. Elle est contente. Qu'est-ce que tu veux faire, Joséphine? Elle va... Ah bah, elle va faire la vaisselle. C'est Madame Ménage, hein, ça. Oh là, les garçons, ils savent plus quoi faire. Pierre-Nard, t'as déjà fini de te occuper du jardin? Ah bah oui, d'accord. Saison été. Saison automne et printemps. Bon, bah, ça va, on va rechoper des... En automne. Ah, c'est cool. Finalement, on sera pas si dépaysé que ça. Ben, Pierre-Nard, qu'est-ce que tu veux faire?
Acheter un arbre à chat. Oui, mais on n'a pas de chat. Acheter un lave-vaisselle. Ça va pas être possible. Et envoyer un SMS de bonheur. Non plus. T'es gentil, mais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta femme? Embrasser Joséphine. Oh, c'est mignon. C'est moignon. Tu peux l'embrasser. Ah, trop bête. J'ai essayé de faire mes devoirs de l'école, mais j'ai pas trouvé les derniers. Persévère. Alors, on va augmenter la résolution de conflit. Voilà. Toujours augmenter la résolution de conflit. Tu vas illuminer la journée de ta maman. De ta femme, excusez-moi. Elle a mis une belle tenue, hein. Alors, vous inquiétez pas, ils sont tous couverts en général, parce même si c'est pour une tenue d'été, parce que à l'époque, on montrait pas forcément ses bras et compagnie, hein. Donc ils vont crever de chaud, mais de toute façon, c'est des Sims, ils se le sentent pas. Tu vas l'enlacer. On va pas faire crac-crac, on n'a pas le droit. Et je pense que 5 enfants, c'est déjà bien assez. Ah, mais je regarde dans Amical, moi, au bout d'un moment, je sais plus jouer, quoi. Oh, voilà, le petit câlin qui va bien. On va faire un petit bisou aussi, hein, histoire de dire... Oh non, pas enlacé, non. Pas enlacé. Caresser la joue, voilà. Il y avait pas un nouveau truc, là? Essayer d'embrasser sous le gui, hein? Oui, mais non, il n'y a pas de gui. On n'est pas encore en hiver. On arrive en automne seulement. La fin de l'été, quoi. Alors, coquine... Oh, mais... Louise. Vas-y, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas... Non, pas te laver les mains. Tu vas nettoyer. Et arrêtez avec vos verres d'eau! C'est l'enfer. C'est l'enfer, son nom. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller au pipi. Il est où le pot? Ah oui, il est là. J'avais oublié. Ah, aide pour le pot. Bah, maman! Maman! J'ai besoin d'aller faire pipi! Mon Pierre-Nard, tu sais pas quoi faire? Va courir un peu. Je ne suis plus un bébé, tu seras toujours mon bébé. Non, c'est trop tôt. Tu seras toujours mon bébé. Bon, Louise! Ça, au moins, déjà, elle fait ça. Il n'est plus compatible avec le responsable. Au niveau de divertissement. Ah ouais, elle est comme sa mère. Elle fait le ménage, elle est contente, ça la divertit. Ton truc, il est toujours aussi laid. Tu vas le vendre. Et tu vas me refaire un vrai tableau parce que là, c'est plus possible. Oh, Joséphine, tu pourras acheter ça aussi si tu veux après. Voilà. C'est le bordel, hein? Moi, j'ai voulu le thé. Encore aujourd'hui, il fait beau. Journée d'été. On sent pas encore trop que l'automne arrive. Arrête de chanter, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Albert. Ah, il fait chaud, tu trouves qu'il fait chaud? Ah, trop chaud. Ah oui, c'est vrai, en plus, bon feu de cheminée, mais ça n'a aucune influence du coup. Vision impossible oubliée. Tu peux courir, te vider l'esprit un peu. Mon petit. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Arrêtez avec vos boissons, vous me cassez les pieds. Toi? Ah oui, parce qu'il a la porte. Il a la porte dans le cou, quoi. Je t'avais demandé de remonter ton empathie et tout, Gustave. Donc, tu vas le faire. Et de remonter ton... Ouais, où est-ce qu'il a fait des jouets, encore une fois, celui-là? Ah, je vous jure, ouvrir. Tu vas jouer avec ton papillon, là, avec émotion. Voilà, tu vas arrêter de me casser les pieds. Oups! Et Arthur? Arthur, c'est la même chose. Attendez, que je regarde. Manière, contre ses émotions. Ouais, et ben Arthur, tu viens faire la même chose. Allez, joue au docteur. Si t'as un truc dans ton... Non, t'as, bien sûr, t'as rien non plus. Tu mets... Hein? On va prendre le... Ouais, non, on va pas prendre l'alien, mais... On va prendre le rhino. Voilà, le rhinocéros, c'est bien. Voilà, les garçons, ils vont travailler à leur capacité. Hop, à toi. Qu'est-ce que tu fais avec la petite? Tu vas faire une toile classique, grande toile classique. La petite, elle a fait son pipi. Aïe, elle peut y aller toute seule? Toujours pas. Demander un bain. Apprendre à parler. Bah non, on va jouer à la poupée. Pierre-Nard. Embrasser, d'accord, ça y est, ils sont plus avec... Tu fais quoi, toi? Je t'avais dit d'aller courir.
Ça, c'est sa tenue d'été, Albert. Voilà. Et sa tenue de jogging. Ils sont où, Et alors, Joséphine en mode été, regardez-moi ça. Tenue d'été. Elle est pas la classe! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y en a une qui est à moitié à poil. Oh là là, il va falloir que je relook tout le quartier avec deux nouvelles tenues. Mais de quoi t'es... Tu crois que toi t'es bien de balader les lolos à l'air comme ça, là? Au moins, Joséphine, elle a la classe. Regardez-moi ce look! Elle est sublime. Voilà. Et puis elle a pas chaud. Contrairement à ce qu'on peut croire, elle va très bien. Ça, tu peux le nettoyer, s'il te plaît. J'entends que ça rage là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est Pierre-Nard qui joue avec la petite. Mais Pierre-Nard? Pierre-Nard, ça va pas, hein? Ah, mais oui, elle s'est rechangée quand même en rentrant. Ah, Joséphine, je crois qu'il y aura une lessive à faire. Oui, il y a une lessive à faire. Tu vas fouiller les poches, puis tu vas faire la lessive dans la bassine. Alors, compétence 6. Voilà. Oh, mais c'est pas une toile classique, ça! Il faut que t'en fasses combien pour qu'on puisse enfin faire la décoration dans la maison, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire là, la petite? Elle va regarder sa sœur. Oh, ma sœur, elle est jolie. Elle est artiste. J'ai envie d'être comme elle plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Et lui? Mon Pierre-Nard, tu me saoules en fait, tu vois. Tu fais rien de tes journées. Alors, le nouveau système. Entretenir le jardin, faire des recherches. Bah tiens, tu vas faire des recherches. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, oui, tout vendre. Vendre lisse, tout vendre. Super vente! Permet de récolter et de vendre des plantes dans une large zone. Ah, oh, d'accord. Plus de choix. Prends une bouture, parle à une plante. T'es en train de faire des recherches là? Est-ce que t'avais encore des trucs dans ton inventaire? Ouais, non, non, on avait tout vendu. Eh ben, tu vas faire une super vente. Récolter Jacinthe. Ah oui. Ah bah, ben, tu vas faire une super vente. Comme ça. Tu vas t'occuper et tu vas nous faire. Tu vas admirer ton nouveau bien, même si tu l'as déjà depuis un moment. Tu vas nous fabriquer un meuble. Est-ce qu'ils ont rajouté des trucs? Pourquoi pas, hein? Une table de salle à manger. Tu vas nous fabriquer aussi des baignoires parce que. Comme ça, on aura des sous. De toute façon, ce sera l'activité d'hiver quand il n'y aura pas de plantes. Est-ce que les feuilles commencent du coup un peu à tomber ou pas? Sachant que comme on a des arbres dans le jardin, on va pouvoir vraiment voir ce que ça fait. Et ça, c'est trop cool. Bon, à la maison d'à côté, ils ont une piscine, enfin une petite mare. Mais nous, pas encore. Arthur! Cuillère. Arthur, cuillère. Tu vas faire quoi, toi? Toi, tu t'ennuies. Est-ce que t'as remonté tes trucs? Au niveau des manières, c'est pas trop ça encore, hein. Tu vas tout débarrasser. La petite est partie se coucher. Tu sais, tu peux parler à ta sœur, tu vas la complimenter. Tu vas illuminer la journée. Ouais, on a vendu les trucs. On va parler de l'école. Et tu vas la recomplimenter. Ta sœur, elle va vendre sa toile dégueulasse. J'ai vu que ça allait plus pour Joséphine. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a fait sa lessive, c'est vrai. Mais non! Mais t'as pas fait la lessive? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Joséphine? Faire la lessive dans la bassine. Allez! Et lui, il reste là. Oui, bon bah écoutez, quand même. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Ah oui, j'ai focus sur elle au lieu de sur lui. C'est pas grave! Ça arrive à tout le monde. Alors. Déjà. C'est quoi, tu vas mettre le tas de linge ici. Je sais pas pourquoi t'en as. Ah mais c'est elle là, moi je voulais lui. Oh là là, mais je. Tiens, toi aussi t'en as. Mais vous faites collection quoi. Regardez une vidéo amusante. Non. Toi, tu dois quand même améliorer tes skills. Oh là là, contrôle des émotions et manières, ça va pas quoi. Créer une copie. Ah ben non, mettre la table avec décontracté bleu. C'est pas grave, c'était Arthur qui devait le faire, mais il va le faire lui. Contrôle des émotions, empathie. Je sens qu'ils vont aller faire du bénévolat. Hein. Tu vas dire des. Ah, d'accord.
T'as été vendre ta toile, pas encore. Mais est-ce que vous faites vraiment ce que je vous demande, les gosses, au bout d'un moment? J'ai pas l'impression, moi. Parce que ça dure plus longtemps que ça, normalement, vos trucs, là. Ouvrir. Tu vas prendre ça. Allez, t'en laisses un là, quand même, et tu joues avec ça. Allez. Parce que j'ai pas l'impression que ça monte beaucoup leurs skills, là. Tu vas jouer avec émotion aussi, encore derrière. Albert, tu vas faire des compliments à ta maman, tu vas dire qu'elle est belle. Tu vas lui éliminer la journée. Tu vas parler du temps ensoleillé. Tu vas rééliminer sa journée parce qu'elle n'a pas encore assez de soleil dans sa life. Exprimer son admiration. Et puis encore un petit compliment. Non. Tu vas complimenter ta sœur par contre. Louise, arrête de bouger dans tous les sens. Tu vas éliminer la journée aussi et complimenter. Voilà. Ça sera au moins ça de fait. Oula! Oula! Mais elle se téléporte! Elle a un pouvoir, elle a acquis un pouvoir sans que je sache, la petite Louise là. C'est sportif. Elle est comment d'ailleurs dans ses... Bon, les manières, c'est nickel. Il n'y a que contrôle des émotions, résolution de conflits. Ah, et responsabilité. Elle a perdu de responsabilité. Est-ce que tu t'entends avec tous tes amis, toi? Ouais. L'objet en boîte et machin, très bien. Tu vas flatter ta mère. Conversation profonde. Oui. Ok, il veut plus. La petite, non, tu dors pas, hein, cocotte. Je sais pas, joue à la poupée. Joue avec les cubes. Là, tu vas faire à bouffer Joséphine, encore. C'est l'heure du dîner. Ah oui, 19h. Quand même. Du bar grillé, allez. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Mais pourquoi tu vas vaporiser le monstre sous le lit? Mais t'as fumé ou quoi? Pourquoi il y aurait un monstre sous le lit? C'est quoi le délire? On s'en fout, on va pas se coucher maintenant, il y a personne qui l'a demandé. Toi, t'as ton empathie qui est remontée. On est OP. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre dans le panier à linge. Oui. Non, vu que t'en as pas. Mais ça remonte pas à leurs besoins, ou c'est moi, ou c'est encore plus compliqué qu'avant, ou... Tu vas jouer au docteur. Ah non, ça c'est pas la truc de... Oui, c'est juste une armoire, ça. Ok, bon bah c'est un peu le bins, hein. J'avoue que là, on est un peu dans le flou total. Et on est quand même samedi soir. Toi, tu vas manger, c'est bien. La petite, elle joue. Voilà, Pierre-Nard, il fait ses trucs. Pierre-Nard, il va revenir, il va nous prendre un petit bain. Elle nous fait un bar grillé. Arthur, il est parti aux toilettes. Ok, bah c'est bien tout ça. Et toi? Ouais, t'as encore les manières à remonter quand même. Bah, tu vas en profiter, tu vas parler un peu avec ta familia, tu vas complimenter, tu vas aussi... Ah non, il peut pas. Il faut une poubelle. Bah, j'ai une poubelle. Tu vas faire compliment à toute la smala qu'il y a là. Voilà, les manières remontent. Albert. Non, mais le contrôle des émotions, lui, vas-y, va courir, parce que là, tu me stresses, hein, ça. Louise aussi, bah, tu vas y courir aussi un petit peu, tu vois. Louise, en fait, il fallait que je commence à regarder pour son futur mari. Ce futur mari qu'il va falloir qu'on choisisse. Nous avons Henri, qui est barista, c'est très logique. Non, Lucas, qui est morose. Joseph, ah, oh, Pix. J'en connais pas trop. Bon, on peut pas les caser avec des filles, hein.
Nous avons David, créatif, Sébastien, on ne sait pas. Ça, c'est assez... Punaise, Thierry, il a déjà la stache. Hein. Attention, il est ado, mais il a déjà la stache. Hein. Ah, ah bah justement, la journée a été longue. Ouais, mais alors, pas un bar à cocktail, gars. Là, on peut pas. Nous avons Clément. Nous avons Vincent. Nous avons... Ah, Vincent, ici, il est pas mal, lui. Non, enfin, je sais pas. Je... Après, il y a aussi des Sims qui ont été créés par d'autres personnes que j'ai intégrées dans le jeu. Donc je sais pas trop à quoi ils peuvent ressembler, ça sera vraiment surprise. Arthur, tu vas très bien. Eh ben c'est parfait, tu vas travailler ton skills, tu vas jouer au docteur. Et vous me saoulez à toujours ranger vos jouets. Vous me saoulez. Vous pouvez pas les garder sur vous un peu? Hop, émotion, émotion. Et Gustave, je lui avais demandé de le faire, il le fait pas. Gustave est parti manger. Après, tu vas remonter, tu vas jouer au docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Qui m'appelle? Ah, soeur célibataire. Non, mais tu peux venir, par contre. Elle, elle va pas bien. Mais qu'est... Mais... Joséphine, t'as foutu quoi, là? Je t'avais dit de faire la lessive. Elle danse. Bah, voyons. Mets dans le panier à linge. Non, mais je sais pas. Fais quelque chose dans ta vie. Ajoute un additif. Acheter des fleurs. Non, elle a des fraises. Ouais, bah c'est de la bouffe pour moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es Keblo dehors. Tu sais pas ta vie, comment elle est faite et régie. Tu ne sais point. Il y a une petite... là. Tu vas même prendre un bain de mousse parce que... Un bain de mousse. Voilà. Ça, ce sera fait, cocotte. Mais je voulais te caser. Bah voilà, tu me fais chier. Tu vois, t'es appuyé à la mort. Bah, c'est vrai que je l'ai envoyé courir. Hein. D'ailleurs, il y en a un aussi qui est parti courir et qui court toujours. C'est très bien. Il laisse un peu une vague de puanteur derrière lui, comme ça on pourra le suivre à la trace. Oh, qui c'est qui a pas mangé son chili? Bernard, il prend un bain. Il est où? Il est là. Ok, bah t'iras aux toilettes juste après. Et tu mangeras. Ah non, la petite elle le prend. Ouh, le bar grillé, il est bon. Il est prêt. C'est cool. Toi. Ouh, putain, il pue sa mère, lui. Tiens, tu vas venir prendre le relais dans la baignoire après ton père. Tu vas avec quoi, toi? Manière, c'est pas trop ça. Hein. Joséphine. Quoi? Ah non, arrêtez avec vos boîtes de nuit, tout. Hein, ça m'agace, ça. Alors, t'as remis tout dans ton panier à linge. On est OP. Tu vas donc faire une lessive dans la bassine. Allez! T'as pas d'excuses, là. T'as pas arrêté de faire nawak, Joséphine, ça aurait pu. La petite, elle a mangé. Est-ce que tu sais aller au pot? Toujours pas. Elle prend un bain. Finaise, elle va pas pouvoir... Ça va être compliqué, quoi, je veux dire. Est-ce que t'as des jouets sur toi? Non, mais par contre, t'as un bol de bouffe et un truc, là. On va mettre ça, là. C'est Joséphine qui va le faire. Par contre, elle galope, hein. Elle galope. Elle va aller se coucher. En même temps, il est l'heure pour une petite bambinette comme elle. Pierre-Nard. Ah, il veut aller faire quelque chose dans le buisson. Oui, mais vous me coucherez plus avant d'être vieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir de gosses supplémentaires. On a déjà 5 gamins. Le foyer, il est presque full. Je garde une place en plus parce que, en fait, pour passer à la décennie suivante, il faut attendre que l'enfant de Louise, du moins le premier enfant de nos enfants, soit enfant. Vous avez beaucoup d'enfants dans la même phrase, mais si Louise, demain, elle devient adulte, jeune adulte et qu'elle se marie et elle fait un bébé dans la foulée, il faudra attendre que ce bébé soit enfant. Donc, il y a toute la période bambin à passer. La période bébé. Donc on en a pour facilement 10 jours. Hein. Donc c'est chaud les marrons. Tu t'ennuies, mais on va réveiller la petite. Va trop tard. Elle a pissé dans sa culotte. Oh. Ça m'agace. Tu peux repeindre un truc? Bah non, toujours toi le classique. Hein. Mais fais-moi quelque chose de beau qu'on puisse mettre à la maison, Louise, s'il te plaît. Joséphine,
Magnifique le CC de la robe qui est très chelou comme ça. On est toujours en été, mais on va passer très bien. Je suis happy. Pendant que il y a la moitié des gosses qui sont au dodo. Toi, tu vas augmenter tes bannières, tu vas nettoyer. Joséphine! Tu dois pas tant pisser que ça. Allez. Tu vas vider ta lessive sur la corde à linge. Dépêche-toi. Hop, suite. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'iras aux toilettes. Oh là là. Ouf. Il faut un panier à linge qui ne soit. Bah, il est pas plein. Je viens de le vider. Mais. Oh là là, ça m'énerve. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Là, c'est cracra, hein. Tu vas faire la lessive dans la bassine. Bah non, parce que sinon, si t'as pas la vélo, nettoyer en vélo, je veux dire. Bon. Je dis pas, je suis perdue. Tu vas mettre ça dans l'inventaire plutôt. Puis tu vas essuyer. On va mettre le bar grillé dans le frigo, parce que quand même, faut pas déconner. Elle s'est levée pour quand on était en train de pisser pour ramasser le paquet par terre et tout en pissant toujours, c'est magnifique. Là, franchement, Joséphine, tu m'épates. Ah, mais ça, on va pouvoir l'afficher, cocotte, c'est cool. Bon, tout le monde est parti se coucher, sauf les femmes de la famille. Joséphine, tu vas nettoyer, ça, on est OP. Tu vas revenir changer l'eau ici. Et je sais pas toi, mais il va falloir quand même mettre dans le panier à linge. Voilà, maintenant on peut. Au moins ça te fait, parce que là, ça commençait à être du grand nawak. Non, mais ils vont être levés méga tôt. Ça y est, c'est l'automne! Il va faire chaud, mais c'est l'automne, donc c'est cool. Elle est en train de s'endormir debout. Joséphine, je t'ai dit quoi? Tu mets dans le panier à linge. C'est à côté de toi. Qu'est-ce que tu y te fous? C'est pas compliqué la vie. Après, tu peux être couché si tu veux. Louise, elle finit sa toile. Elle crève vraiment d'ennui là, par contre. Même faire des toiles, ça ne lui va pas. Ah bah, il y a un rhinocéros qui est là. D'accord. Eh ben, c'est super! Regarde la belle toile qu'on va pouvoir afficher dans notre maison. Où est-ce qu'on va pouvoir la mettre? Je vais mettre les murs quand même. On va la mettre. Je vais y arriver. Ici? Ah non, ce qu'il y a la bibliothèque. Alors on va la mettre là. C'est pas mal. Voilà, comme ça on pourra la voir. Parce qu'elle va pas rester accrochée. Tu vas. Aller dans ta chambre. Mais! Pierre-Nard! C'est pas ton lit, ça, espèce d'idiot! C'est ton lit, ici! Mais qui est con? Mais qui est con? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais tu vas pas dormir là non plus, toi! Et qu'est-ce qu'ils ont avec les lits, là? Ils dorment tous là où il faut pas. Donc, oui, je te disais, tu vas aller dans ta chambre. Tu vas changer de jeu, tu vas jouer aux cartes. Tu vas changer le jeu carte. Est-ce que tu peux jouer aux cartes? Jouer aux cartes. Ah non, faut que tu joues aux cartes avec quelqu'un. Non, d'accord, j'ai compris. C'est la merde. Tu peux aller aux toilettes. Ce sera au moins ça de fait. Tu vas faire une grimace. Ça y est, ça va plus. Essayez de se calmer. Ouais, il va falloir absolument que je le trouve à s'occuper, à faire des. Réveillez pas le lama. Refais un coup le truc du lama parce que j'ai l'impression que ça va pas. Allez! Allez! Et est-ce que tu peux jouer?
Mais alors, je vais y arriver. Changer de jeu. Ah oh, putain, et là on va me dire s'entraîner est beaucoup trop tendu pour faire cela. Ben justement, elle veut se détendre. Allez, tu vas dormir, c'est bon. On va pas tergiverser là-dessus, on pensera à ça pour le prochain épisode. De te détendre et de te faire... voilà, juste de te faire t'amuser un petit peu. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode donc de fin d'été et début d'automne. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode du Decades Challenge ou d'autres choses. En attendant, je vous embrasse très fort. Allez, salut!